Bienvenue dans le 53e épisode de Zelda 3T. Je suis toujours bloqué dans le temple de l'eau. J'ai un balai, je sais pas quoi en faire. Tiens, un Octorok là-haut. Je suis même allé chez la sorcière. Et la sorcière, elle est vraiment nulle parce que ça l'intéresse même pas d'avoir un balai. Alors que je m'étais dit, tiens, ben, il doit être fait pour elle. Et ben non. Alors je suis allé voir partout, j'ai revisité les trois mondes, tous les villages des trois mondes, j'ai reparlé à tout le monde. J'ai rien trouvé. Tingle, il fait que me voler des rubis quand je lui parle. Le Zora qui est à côté, c'est pas ça non plus qu'il cherche. Alors, je sais pas du coup du tout quoi faire de ce balai. Sinon j'en ai aussi profité pour... acheter d'avance quelques, même beaucoup de d'épices et de sacs d'olives pour pouvoir obtenir les bourses de 999. Donc on va essayer de faire ça aussi dans cet épisode. Et enfin j'ai aussi fait du café. Normalement il me reste plus qu'un ou deux coups de café à faire pour arriver au bout. Donc voilà, vous avez le programme de l'épisode. Ça, c'est génial. Je pense que j'ai dû oublier d'aller voir cette cascade dans les trois mondes. Dans le passé, j'y étais allé. Je me souviens. Je sais plus ce qu'il y avait, mais j'avais fait. Et dans le futur... Elle, j'avais déjà vu, mais je me souviens plus ce qu'elle faisait. Donne-moi vite 100 Ganondorf si tu veux une récompense. Ok, oui. En plus, je suis riche. Ah, je vais augmenter le nombre de bombes que tu peux transporter. Je suis trop bonne. Ouais, ou pas. Est-ce qu'on continue? Là, il va falloir faire que je fasse mes calculs parce que... J'ai quand même besoin de 999... Enfin, de 500 Ganondorf. Pour le obtenir la bourse de 999. Donc je vais d'abord faire les échanges peut-être. Après je reviendrai la voir. Faudra pas que j'oublie. On va passer par le présent pour avoir le pont. Toujours mieux. Alors tiens, je sais par quoi on va commencer. On va commencer par le café. Comme ça, ça sera fait. Donc normalement, il me reste plus que un ou deux coups à faire. Allons-y, c'est parti. Youhou ! Botte de Pégase enclenchée. Donc là, vous pouvez aller prendre votre café en attendant, parce qu'effectivement, c'est très 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 lent. Alors, moi, je vais en profiter pour revoir mes petits calculs. Cette fois-ci, j'ai bien préparé. Pour avoir la bourse de 999 gallons d'or, j'ai besoin tout simplement d'un roc givre plus 500 gallons d'or plus un parfum. Pour avoir le roc givre, j'ai besoin d'un parfum, d'une tapisserie et d'une amulette. Ce qui fait au total deux parfums, une tapisserie et une amulette. Pour avoir un parfum, il me faut 3 plumes et 4 riz. Donc pour avoir deux parfums, il me faut 6 plumes et 8 riz. Ensuite, pour l'autre bourse, celle de 999 pièces d'or, donc celle du passé, il me faut un roc magma, une tapisserie et 250 pièces d'or. Pour le roc magma, il faut à nouveau un parfum, une tapisserie et une amulette. Donc en fait, au total, il nous faut 3 parfums, 3 tapisseries, 2 amulettes. C'est simple! 3 parfums, 3 tapisseries, 2 amulettes. Donc 3 parfums, ça fait 9 plumes et 12 riz. 9 plumes, ça fait 9 épices et 9 olives. 2 amulettes, ça fait 2 poulets et 4 olives, mais j'ai déjà un poulet. Donc pour avoir un poulet, il nous faudra un riz et 2 olives. Et enfin, pour avoir les 3 tapisseries, on a besoin de 6 perles et 15 épices. Pour cela, 6 épices et 6 riz.
ce qui nous fait 19 riz, 15 olives, 30 épices. Tout simplement. Je sais toujours pas quoi faire du balai. Celle qui a pas fait son ménage, je lui proposerais bien de passer le balai, mais elle me laisse quand même pas passer. Elle arrête pas de me parler de son mari qui est gardien de la prison. Pourtant dans le passé, je me souviens pas avoir vu une prison. Donc c'est bizarre. Et puis dans le temple de l'eau, je suis complètement bloqué. Je fais 10 fois le tour, il n'y a aucun coffre que je peux avoir. Donc je commence à penser qu'il y a encore un autre temple que je devrais faire avant. Mais je ne comprends pas. En tout cas, j'adore ce jeu. J'ai profité de ce café interminable pour en parler. Ah, ça y est. Deux minutes ne suffisent pas pour extraire tout l'arôme d'un bon arabica. D'accord. Ça veut dire que la prochaine fois, ça sera encore plus long. Je savais plus si j'avais fait... Je savais plus si j'en étais à 15 ou 16 coups, donc... là, je pense que ça va être le dernier. Donc, je disais, j'adore ce jeu. Il est très addictif. Et là, depuis que je suis bloqué dans le temple de l'eau, j'ai du mal à penser à autre chose. Et je veux trouver la solution. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de quêtes annexes. Donc, je peux me changer les idées en... Par exemple en faisant du café, en faisant les échanges, et ainsi de suite. Je trouve que les trois cartes du monde sont particulièrement bien faites. Et toutes les quêtes annexes, tous les échanges, les poissons aussi. Il y a énormément de choses. Plus tout ce que j'ai raté probablement. Peut-être que je pourrais retourner vers le temple du feu, dont l'entrée n'est pas disponible. C'est un temple qui est dans le passé, dans les montagnes. J'ai pas énormément cherché à ouvrir l'entrée, donc il y a peut-être un truc à faire. Vu que le temple de l'eau ne veut pas se laisser faire, peut-être qu'il faut faire le temple du feu d'abord. Ensuite, le temple de la terre, c'est celui qui est dans la grande pyramide, mais dans le passé. Et il y a des sorciers que j'arrive pas à tuer, donc je peux pas continuer. Et la grande pyramide de la version présent, je ne peux même pas passer la première salle. Parce qu'à mon avis, il faut que je puisse éteindre les torches. Ce qui n'est pas possible! Donc j'ai eu la confirmation que c'était bien 17 cafés qu'il fallait faire. Parce que quand je suis arrivé au 11e, elle m'a dit c'est le 11e café de la journée et il faut pas que j'en dépasse 17. Donc j'ai eu la confirmation que c'était bien 17 le maximum. Et je savais du coup que j'en étais à 11. Donc c'est comme ça que je sais que normalement là j'ai dû faire le 17e. Si j'ai bien compté, ce qui est pas sûr. Ah ! La 17e et dernière tasse, l'heure est venue de classer cette affaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah, quand même, une récompense. Une gemme de force ! C'est mieux que rien, hein ? Ah ! D'accord, 5 rubis supplémentaires. Pièce d'or, pardon.
Ganondorf, pardon. Ah bon? On peut avoir de l'argent à volonté maintenant. Donc en fait, c'est plus ça la vraie récompense. 333, on peut continuer encore? Bon. Tant mieux. Tant mieux pour nous, puisqu'on en aura besoin pour les échanges. Donc, alors, ça, c'est fait. Ensuite, les fameux échanges en question. Donc j'avais un peu commencé, mais il faut que j'aille chercher du riz d'abord. Ah, je suis dans le futur, donc il faut que je prenne le champ du temps inverse. Inversé. Hop. Allez, c'est parti, on va acheter le riz. Donc, combien de riz me faut-il? Si vous avez bien suivi les explications que je vous ai données pendant que je faisais le 16e café, eh bien, il me faut 19 riz. 19 sacs de riz. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit et dix-neuf. C'est ça. Tant qu'on est là, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire ici? Oui, les tapisseries, mais on n'a pas encore de quoi. Ah, et dans le passé, peut-être aussi, attendez. Ah oui, poulet. Est-ce que j'ai assez? 4 sacs d'olives encore, oui. Il me manque des sacs d'olives par rapport à ce que je vous ai dit, parce que j'ai pas pu tout acheter, j'avais plus assez d'argent. Alors, champ du temps inversé. On aura besoin de 2 poulets pour avoir ces 2 bourses de rubis. On a déjà un poulet, donc il n'y en a plus qu'un. Voilà. 2 poulets, c'est bon. Retour à la cité d'Hyrule pour les sacs d'olives manquants. Normalement, j'ai plein d'argent parce que j'ai retraversé le monde X fois. Y compris un petit peu hors caméra, pour essayer de parler à tous les gens, et à chaque fois je trouvais bien sûr des rubis, des pièces d'or et des Ganondorf sur le chemin. Donc, en tout cas, les olives, les sacs d'olives, j'en veux 15. J'en ai 2. Qui c'est qui me vend les sacs d'olives? C'est lui. Lui. Je vais devoir passer par la banque. J'en veux 15 et j'en ai 10, donc c'est pas encore suffisant. Finalement, je crois pas que j'aurais pu faire tout ça en même temps que la quête du fragment de cœur. Parce que... ça m'aurait quand même demandé beaucoup d'argent. Je te vends des Ganondorf, j'en ai plein. Il me semble. Ouf, oui. Donc, les sacs d'olives restants. J'en voulais 15, hein, j'ai dit. Et j'en ai 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, super. Avec ça, on va pouvoir acheter des plumes, des perles, des amulettes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire depuis ici pour commencer ? Ici, rien. C'est trop cher. Donc on va aller dans le passé. Dans le passé, on va acheter les plumes. J'en veux 9. Une. Combien j'en avais au fait? J'en avais pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Les amulettes. J'en veux deux. Une et deux. Parfait. Après, si on va dans le futur. Non, il n'y a rien d'intéressant ici dans le futur. Donc on va retourner. On va voir dans le village des mouettes maintenant. Pour acheter les perles. Il faut les perles, les tapisseries, les parfums. Est-ce qu'il y a un ordre plus optimal? Non, je suis obligé d'aller dans le village Cocorico pour aller chercher les perles. Les perles les moins chères, hein, je veux dire, parce qu'on peut en trouver ailleurs, mais c'est trop cher. Et aussi, il faudra que je repense, pense à aller revoir la fée. Donc là, on est dans le présent. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Il y a le parfum. Combien il me faut de parfums? Il m'en faut 3. 1, 2, 3. Après, dans le passé, on va voir les perles. Combien il me faut de perles? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà pour ici. Il me manque la tapisserie. Qu'est-ce qui me manque à part la tapisserie? J'ai 3 parfums, 2 amulettes, donc il me manque juste 2 tapisseries. Enfin, 3 tapisseries. Ouais, c'est ça. Allez, go. Direction le village des mouettes à nouveau. Direction le village des mouettes pour acheter les 3 tapisseries dans le présent. Bon, chaque tapisserie coûte 2 perles et 5 bocaux d'épices. 1, 2 et 3. Il me reste 2 sacs d'olives supplémentaires. J'avais visé 2 sacs d'olives de trop. Donc 3 tapisseries, 2 amulettes, 3 parfums. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour acheter le roc givre et le roc magma. Maintenant, faut que je retrouve où est-ce qu'on les achète. Le roc givre, c'est au village Cocorico dans le passé. Et le roc magma. Et le roc magma, je le vois pas dans mes papiers là. Je me souviens plus. Si, voilà, c'est dans la cité d'Hyrule du futur. Nous sommes à la cité d'Hyrule. Et nous sommes dans le futur. Ouais. Rock Magma. Ensuite. Je peux tout de suite faire ça. Je sais pas si j'aurai assez d'argent. Si, c'est bon, j'ai 500 pièces. Oui, je veux la bourse de 999 pièces d'or. Et voilà. Plus rien en stock. Ça y est. On va enfin conclure ces échanges de façon définitive. Parfait. Accélérer. Maintenant, on va chercher le roc magma. Et le roc magma, il est au village Cocorico. Non, le roc givre, excusez-moi. Le roc magma, je viens de l'avoir et de le dépenser. Le roc givre, lui, est au village Cocorico, dans le passé. Allez hop! Et ensuite, il faut que je donne
au village Cité d'Hyrule du futur. Par contre, j'aurais peut-être pas assez d'argent parce qu'il faut 500 gallons d'or. Donc on verra bien en allant à la banque si on a assez. Du coup, j'aurais peut-être dû passer plus par la banque. D'ailleurs, il vaut mieux passer par le présent. Donc, c'est dans le futur. J'ai plus un seul sou puisque j'ai tout converti en rubis tout à l'heure. Alors, on va reconvertir ça en Ganondorf. Il m'en faut au moins 500. Oh, pas mal! Ma bourse est déjà pleine. Donc c'est bon, j'ai largement assez. Je peux plus passer. La bourse de 999 Ganondorf, s'il vous plaît. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Hein? Ah! J'avais mal noté. J'avais noté que j'avais besoin de 500 Ganondorf alors que c'est que 250. C'est la même chose que dans les autres époques, finalement. Voilà, et ben c'est bien. Et tu n'as plus rien en stock. Ne sois pas désolé, c'est pas grave. Et pour finir, je vais retourner voir Madame la Fée. Par où je passe? Plus par là. Donc dans cet épisode, on a fini la quête du café. On a eu les dernières bourses, les deux dernières bourses de 999 rubis. On a eu un nouveau bouclier. Et augmentation de bombes et augmentation de flèches. Et encore augmentation de bombes. J'ai plus de sous là, si. D'accord, donc pour les augmentations de bombes et de flèches, c'est ici. Voilà, donc dans cet épisode, nous avons réussi beaucoup de quêtes annexes. C'était pas mal. On se retrouve très vite pour le prochain. Salut!